du remplacement. En fait, je vais faire un roulement avec ces flux capacitors. Comme ça, en fait, j'aurai toujours de l'énergie. Je pourrai toujours à tout moment remplacer un Draconix Flux Capacitor qui serait vide par un qui est plein. Et le vide, ben, je le mets dans le Create, il part dans un énergétique infuseur. Et il se remplira ben, le temps que je fasse autre chose, quoi. Voilà. Ce qui va permettre de faire un roulement au niveau de l'énergie de mon armure. Et là, je pense clairement qu'avec 14 Flux Capacitor. Là, je vois pas. Là, franchement, si j'arrive pas à le battre, c'est que je suis nul. C'est vraiment. Non, j'allais dire c'est qu'il y a un problème, mais non. La probabilité aussi, c'est que je sois complètement nul. Ah oui, il y a ça. Ça m'embête. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai des outils. J'ai des outils, mais j'aimerais prendre mes rings, surtout celle de, ouais, elle est deux en fait, résistance et régénération. Ouais, j'aimerais les prendre, mais en même temps, est-ce que ce serait utile? Tant pis, on va pas les prendre. On va pas les prendre, on va faire ça. Ça m'embête, ça m'embête. Parce que le truc, c'est que si je les prends, je dois prendre mon sac. Pour éviter d'avoir l'effet en permanence. Ou alors, tant pis, je prends le ring et le sac avec. Tant pis. Bon, hop. Le Crescent Tamer, j'en ai pas besoin. Je n'ai besoin que de ça. Je n'ai besoin que de ça et éventuellement les rings. Donc on va prendre les rings. Allez, on les prend. On les prend. On va déposer le sac. Si ça tombe à court en avant, ça tombera à court avant. Hop, j'ai pas le chat dans la chambre, donc on y va. On y va tout de suite. Hop, c'est parti. Là, je. Alors, par contre, ce que je vais faire, c'est. Je vais garder les rings ici. Mais je vais prendre quelques. Voilà. Histoire d'avoir à vue mon énergie. Ok. Donc ces trucs-là se régénèrent. Il fait mal. Je peux le blesser, il a pas régénéré tous les. Je vais l'avoir. Enfin, enfin, je vais l'avoir. Et oui, vas-y, on va mettre des boules, c'est mon chouchou. Ne fuis pas. Il a récupéré un.
vache, et il fait. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été TP. J'ai été TP, je me suis pas. J'ai été éjecté de la zone. Mais je l'ai vaincu, on est d'accord? Non, je l'ai pas vaincu. Il a réussi à me TP. Putain, il balance des underpearls. En fait, tu peux m'éjecter de sa zone. Il est où? J'en suis où là? Je vais histoire de garder la vue comme ça j'ai qu'à appuyer sur E si je veux si je veux voir mon énergie. Mais putain mais il m'a TP loin en plus. Il est passé en dessous de moi. Allez là, t'es mort. C'est bon. Oh purée. Ok. Hop. Le cœur, je l'ai vu. Je l'ai vu le cœur. Je l'ai raté, il est tombé dans le void. Non, il est là-bas. C'est bon, je l'ai. Je l'ai, je l'ai. Bon. Bon. On a fait le plus gros. On va attendre un petit peu. Mais normalement l'idée. On va attendre un petit peu parce qu'il est en train de détruire les colonnes. Mais le but après là c'est qu'on va partir donc dans le centre de l'île. Et on va aller récupérer la Chaos Shard. Mais là il va faire très attention parce que une fois qu'on l'a récupéré, il faut se barrer. Allez, on va y aller.
Ok. Bon, c'est juste là. J'ai tout. Allez, maintenant faut que je me tire. Mince, faut que je me tire, faut que je me tire, faut que je me tire. Allez. Ciao, bye bye. K.O. shard. Alors là, on va décider de ce qu'on en fait. En vrai, 4 K.O. shard, c'est... C'est bizarre, normalement, c'est censé exploser. Je fais peut-être une bêtise là, en restant dans le coin. Ouais, ça y est, ça tremble, ça tremble, ça tremble, ça tremble, ça tremble. Je vais me mettre autour de la ceinture d'astéroïdes. Mais ce serait bien de voir l'explosion. Il y en a qui l'ont filmé l'explosion. Mais je ne garantis pas que j'ai suffisamment d'énergie pour y résister. C'est long. Ça tremble. C'est bizarre, c'est censé exploser, mais ça n'explose pas. Ça tremble quand je m'approche, donc c'est que ça doit être. C'est que ça doit être imminent, mais. Bon, écoutez, hein, ça explosera dans son coin. Hein. Hein, moi, j'ai envie de vous dire. On a fait le plus gros. Bon. Maintenant, on est à la K.O. Shard. Ouf, on en a 5. J'avais peur qu'on en ait qu'une. Donc, résultat, ben, c'est parti, hein. Hop. Déjà, tout ce qui est utilisé. Donc, ces trois-là, c'est parti. Ces deux-là sont bien entamés. Celui-là aussi, celui-là aussi. Bon, on va mettre celui-là aussi. Il me reste combien? Ouais, rends-le-moi. 1, 2, 3. On va voir ce qu'on met. Oh, bah, c'est bon. Allez. Bon. Alors là, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant de ces Chaos Shards? Parce qu'avec les Chaos Shards, on peut faire plusieurs choses. Premièrement, un truc qui est intéressant, c'est de faire le Draconic Reactor Core. Deuxième chose intéressante, ce serait de faire quelques Chaotic Cores. Les Chaotic Cores peuvent servir à faire des upgrades, et notamment, on peut upgrader l'armure pour se faire encore une armure encore plus pétée. On a quatre éléments. Potentiellement, on peut se faire le Reactor Core et quatre Chaotic Cores. Bon, en fait, ce sont les deux seules choses qu'on peut faire. En vrai, j'ai envie de me le faire, le Draconic Core. Ah, ouais, le Draconic Core, ouais. Ah, le Reactor Core. Et après, on fera le Chaotic Core. En vrai, moi, stocker de l'énergie en masse, ça m'arrangerait, parce que le peu que je fais de Draconic, c'est long, c'est chiant. Alors, par contre, j'ai pas du tout les plans du réacteur. Faudrait que j'aille voir sur Internet. Faire la bouboule, là, en fait.
C'est une boule qui va stocker de l'énergie en fait. Ça en produit pas, ça en stocke. Et la question c'est où est-ce qu'on la fout quoi? Parce que je peux pas la mettre dans une. Je peux pas la mettre dans une compact machine. Ça rentre pas. Moi je la verrais bien, c'est tout en haut. Vous savez, tout en haut là, et puis on. Et on fait deux caps qui descendent, deux caps de l'enfer. Allez, on fait ça. On fait déjà le chaotic core. Hop. On va déjà faire ça. Donc, sauf. Hop, on va le mettre là en attendant. Faut que je récupère mon. Et vu que je manque de saturation. Petit café. Ça fait toujours plaisir. Donc, le chaotic core, on disait. Le chaotic core. Usage. Alors, il me faut 4 Awakened et 3 Draconium Ingot. Et donc ça c'est bon. Et du draconium ingot. Donc il va falloir que. Voilà. Attends, comment ça? Ah, il me faut le tir suivant pour faire le truc. Et résultat. C'est le pédestral. Pédestral tir. Donc c'est crafting injector? Donc ça ira jamais. Donc tir draconique et question, c'est si je fais. Si je demande par exemple à faire un. Ouais, il faut le tir chaotique pour pouvoir passer. Mais ça à la limite, ça, je le ferai pas parce que juste, j'ai pas assez d'énergie. Donc, il faut obligatoirement que je fasse des chaotiques corps. Et les chaotiques corps vont me servir à avant tout changer les piédestals. Et il va falloir que je fasse un deuxième dragon. Pas envie. J'ai juste pas envie. J'ai tellement pas envie. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'ai fait? De toute façon, j'ai pas le choix. Hein. Y a que ça que je peux faire. Sachant que j'ai même pas les avoicanèdes nécessaires. J'en ai que 3.
Donc déjà, il faut que je refasse des Awakened. Alors, Awakened. Toc, toc, toc. C'est ça, hein, c'est 5. C'est 5. Hop. Et. Les wyvernes, j'en manquais. Allez, c'est parti. Ça, c'est bon. Quoique j'en avais assez en fait. Non, il m'en faut 4. Hein. Il m'en faut 4, je crois. Il m'en faut 4. Hein. C'est ça. Non, bah c'est bon. Et des Nether Stars. Bon, bah, ça va les faire. Ça va les faire. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas remis d'énergie, résultat ici. Bah, vu que je fais du draconique, tant pis. Ça va se recharger comme ça. De toute façon, je suis pas pressé niveau énergie là. Toujours classe. Hein. Bon. Eh ben, les Awakened, c'est en cours. Alors, niveau cyanite, j'en suis où? ,375. Ouais, je produis pas énormément. Mais on peut déjà commencer à se faire. On peut déjà commencer à faire les premiers éléments pour la turbine. On peut déjà commencer par ça. Extrême, j'ai tapé turbine. Voilà, donc il me faut. Il faut beaucoup de choses. Alors, c'est ça. Hein, j'ai pas fait les crafts, hein, il me semble. Hein, j'ai pas eu le temps. Ouais, c'est ça. Hein, il n'y a que le réacteur. Hein. Il n'y a que le réacteur dans les crafts. Donc, on est parti. Donc, il me faut. En fait, il me faut tout ça. Quasiment tout ça. Alors, il va me falloir. On va commencer par la turbine housing. J'ai tout ce qu'il faut. Ouais, par contre, c'est. Hop. Ok. Alors ça, ensuite, donc ça c'est le truc créatif, voilà, on peut pas. Alors il y a ça. Sachant que. Ah non, c'est un cyanide ingot, donc ça c'est bon. Ensuite, la petite turbine. Pour faire la turbine, il me faut ces trucs-là. Le rotor bearing, je l'ai fait ou pas? Oui, je l'ai fait.
Ensuite, le turbine housing. D'accord. Le computer porte, on le fera pas. Le rotor shaft, c'est bon, je les ai faits. Le feed port, il va falloir que je les fasse. Il en faut deux. Un en input, un en output. Le turbine contrôleur. Ah, et pour le turbine contrôleur, il me faut du plutonium. Donc il va falloir que je fasse le craft du plutonium. La glace. Parce que c'est toujours cool. Attendez, Reston Flux et Tesla Power. Bon, hop, Reston Flux. Hop. Ok, et tout ce qui me manque, c'est le plutonium qui servait au contrôleur. Et ça, c'est pas très compliqué. C'est ce craft-là, c'est avec du cyanite. C'est que du craft. Je n'ai aucun. J'ai vraiment aucun. Comment dire? Ah, zut. Je n'ai aucun process. Je n'ai aucun process à faire, donc c'est plutôt cool. Dernier crafter. On va refaire. Okay. Donc il va savoir faire tout ça. Il me manque juste. Les petites speed upgrades. Voilà. Et j'en profite tant que j'ai des speed upgrades sur moi. Non, eux ils sont pas upgrade. C'est bon. Parce que j'ai vu que avec les Resonant, j'avais les importeurs qui galéraient. Donc autant les maxer. Donc à chaque fois que j'ai un peu de speed upgrade sur moi, je les fous des importeurs. Voilà, il me reste encore quelques-uns. Ok. Chose que je vous ai pas montré, d'ailleurs en soi, ça fait penser que les bits, je peux les arrêter. Voilà. C'est le. Donc le cryothéum que j'ai mis dans le. Dans la. Oh zut, dans le réacteur. Juste pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, tout, il me faut un bucket. Je vais le prendre.
Pour résultat, je me suis fait un drum complet. Mais en fait, pour faire simple, en fait, c'est pas un liquide, c'est un gel. Du coup, quand on le pose, en fait, il est soumis à gravité. Et donc, la source, elle tombe au sol. Tiens, d'ailleurs, ça. J'avais pas vu que ça générait de. De la neige. Mais voilà. C'était juste pour vous montrer. Ok. J'ai amélioré. Il y a beaucoup moins de lag serveur, mais ça persiste. J'ai augmenté le nombre de trades possibles, mais ça semble ne pas suffire. Ah oui, alors je vais vous montrer un petit truc aussi. Un petit truc sur lequel je suis tombé. Il me faut. Ah zut. Où j'ai foutu ma wrench? Bah là, tout bêtement. Elle est là. Je vais vous montrer un petit truc. C'est celui-là. Donc, comme je vous ai dit, hein, il y a un exporteur et puis en dessous voilà, un importeur. Et le reste, c'est de la sortie de la sortie d'énergie. Voilà, hop. Et donc ça, je voulais juste voilà, le mettre là. Hop, comme ça, si jamais j'ai besoin de. On sait jamais que j'aurais oublié un bloc, que je me rendrais compte à terme, que je me rendrais compte à terme. Au moins c'est là. Mais normalement c'est bon quoi. Il a tourné il n'y a pas longtemps. Ouais, il tourne. Ah bah oui, il y a du draconique. Il y a du draconique en cours. C'est pour ça que il est un petit peu consommé. Et je voulais vous montrer, mais. Quand on sort, j'avais pour idée de glitcher un petit peu le jeu et de sortir, parce que ici on est dans une dimension à part. Et je voulais voir un petit peu ce qui se passe quand on sort, si je vais dans le GUI. En fait, ici on est vraiment dans une dimension à part. Si je. D'ailleurs, si je réduis, hop, voilà, il y a les autres compact machines qu'on peut voir. D'ailleurs, j'étais là, je me souviens plus que c'est quoi celle-là? Ça doit être la Redstone, celle avec les Redstone Furnace. Donc je me suis dit, ben, en fait, avec ça, je peux me TP dehors. Sauf que quand on fait ça, en fait, on est re-TP back. Et alors, là, ça c'est pas vu parce que j'ai l'armure de Draconique, mais normalement, on a nausé 8 heures pendant 5 secondes. Voilà. Bon, voilà, c'est amusant, mais voilà, c'est juste pour vous le montrer que j'ai essayé ça et que c'est bof. Le jeu nous rappelle à l'ordre quoi, quand on essaie de glitcher un petit peu. Hop. Bon, on va avoir besoin de Dragon Egg. Donc, il me faut. Il me faut une torche. Alors, j'avais récupéré, mais j'avais un petit peu merdé. Ok.
Ça nous en fait deux. Et on va remonter un petit peu ça. Bon, en fait, on va juste déposer, hop, un ici. Poser une torche ici. Ouais, c'est très bien. Comme ça, les prochains Dragon Egg, ils arrivent ici. On n'aura qu'à casser le bloc pour qu'il tombe et puis c'est réglé quoi. Il y a celui-là qui s'était fait la malle. Alors, ça fait 3. J'avais beaucoup plus d'œufs que ça, mais. Un Harry est arrivé. Si vous voulez, il y a Harry qui a une superbe idée. C'est j'étais en train de remettre les Ender Crystal pour refaire spawner un dragon. Et Harry a rien trouvé de mieux à faire que de cliquer sur un Ender Crystal. Du coup, ça détruit les œufs. Merci Harry, c'est un plaisir. Bon, avec 3 œufs, on pourra déjà faire des trucs. Ben alors. C'est bon, t'as fini. 6 corps. Ça me fait 9. Et pour faire les chaotiques, il me faut combien? Draconique. Draconique. Ouais, il me faut les chaotiques corps. Il m'en faut 4 par draot, par chaotique. Je peux en faire que 2. Bon, tant pis, je peux en faire que 2. Alors, en vrai, ça je m'en tape. Pour le moment, ça je m'en tape aussi. Mais attendez une minute. Je viens de réagir, mais. Non, oui, il faut un chaotique corps, oui. Hop, donc chaotique corps, hop. Il me faut combien de 4 lingots? Ah ouais, eux ils sont encore en wizard. Bah écoutez, on va upgrade les deux du milieu, hein. Je vais reprendre mon magnète aussi. Qu'est-ce qu'il me faut au milieu? Chaos Shard. Non, mais... Oh, je suis fatigué. Hop.
Là, dans un premier temps, il me faut les chaos shards. Et j'ai pas regardé ça. Oh, putain. J'avais pas vu ça. J'avais pas vu que ça consommait 800 millions par shard. Bon. Bah c'est tout, c'est un produit de la sino, la cyanite. Bon, ben. Hein. Ah, c'est chiant. Va falloir que je me fasse encore ouais, au moins deux autres dragons. Dans les mêmes conditions. J'ai tellement pas envie. Juste pour voir, est-ce que l'île a explosé de l'autre là? De toute façon, ici c'est Chunk Load, hein, donc on s'en fiche. Non, c'est drôle, ça a pas explosé. On va attendre un tout petit peu. Normalement, il est censé y avoir un halo blanc avant de avant l'explosion. Ça y est. D'accord, ok. Non, ben. Faut juste qu'on s'éloigne du trou, hein, qu'on s'en approche pas trop. Ah, ça détruit aussi l'espèce de ceinture d'astéroïdes là. Ok, d'accord. Donc non, on peut rester relativement près, ça craint pas grand-chose quand même. Oh. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ah, c'est des cristaux à la con. Et ça a rasé quand même sur un sacré diamètre. Hein. Bon. Les trucs sont restés. Je pense que c'était détruit, mais c'est resté. Ah. Bon, bon, on va aller voir pour un autre. Mais on a largement le temps, en vrai. On a largement le temps de sortir, visiblement, quand on récupère les Chaos Shards. Bon.
Éditer. On était en 10 000. Tac. On va essayer en 10 000 machin. Alors, je suis censé avoir une île ici. Plutôt par là, en fait. Ouais, ça ressemble. Ça ressemble, mais j'ai pas de... D'accord. Ouais. Ok. Alors par contre, il y a une forteresse juste au milieu. On va la mettre ici. On va mettre le petit waypoint ici. J'ai l'impression qu'en fait, ça s'est généré quand je me suis approché. Hop. Ouais, d'accord, ok. Bon. C'est juste que je voudrais que le... Mais pourquoi ça? Mais les gars, je vous ai rien fait. On va se calmer, hein. Ok, hop. Dites toc 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 toc. Ben là où je suis en fait, je suis en Z 1650, mais en gros 9650, c'est ça? Voilà. Oh, c'est pas vrai, c'est pas encore. Bah pourtant c'est ça. Ouais, Y aussi, d'accord, ok. Excusez-moi, c'est juste que je veux bien mettre mon waypoint pour pas tomber dans le vide. Voilà. Les frérots, on se calme. Pas préparé là, hein. C'est juste que je voulais définir un waypoint pour un nouveau Chaos Guardian. Par contre, c'est drôle qu'il y ait une forteresse juste au milieu.
Non, pas tout de suite. Pas tout de suite, pas tout de suite. Oh. Il a fait les deux. D'accord, les 8 millions. Alors, maintenant que j'en ai deux. Super, ça. Ah bah d'accord, ok, super. D'accord, ça a bugué. Donc, ouais, il y a tout ce qui est upgrade, ça c'est obvious. Et donc, évidemment, il y a les Draconic Fusion Core à améliorer. Alors, les Draconic Fusion Core. Tac-tac, en chaotique. Il me faut 4 diamants. Hop. Alors, tout ça, on peut ranger. Et il me faut 4 diamants. Il me faut. Les chaotic corps et les eggs. Et voilà. J'ai pas regardé encore combien ça me coûtait. Ça va, 48 millions. Ça me coûte qu'un énergie cell. Donc ça va me coûter 2 énergies cell pour faire les deux. Ça va, y a pire. Dès que ça commence à dépasser les 200 millions, c'est là que c'est chiant, quoi. Bon, si je veux faire les autres chaos score, il me refaut des awakened. Et les wyvernes, donc j'en ai plus là. Hein. J'en ai que deux. Ouais, c'est ça. J'en avais request. Et au centre, c'est une Nether Star. Allez. C'est parti. Il
Il va me falloir quelques œufs de dragon. Donc je pense que je vais partir à la chasse au dragon. Ça. Ça, je peux le garder. Ça, c'est au cas où. En vrai, il n'y a que ça à renvoyer. Hop. Et on va prendre des Zen Crystal. Bon, allez, ferme de dragon.